La première question dont tu vas être interrogé dans ta tombe. Qui est ton Seigneur? Avec quoi tu, quelle sera ta réponse? Ta réponse doit être mon Seigneur et Allah. C'est celui qui m'a éduqué, c'est-à-dire c'est celui qui m'a créé et qui m'a donné ma subsistance. Et ça, c'est une éducation physique, apparente. Et l'éducation interne, eh bien, elle s'est faite avec l'envoi des messagers, l'irsal al-rusul et la révélation des livres. Pour qu'on soit éduqué d'une manière interne. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé, il nous a donné notre subsistance. Il n'est pas possible donc d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui dirige une seule adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il devient polythéiste à part entière. Est-ce que cela veut dire qu'on doit juger les gens de mécréants? Non. Avec ceci, nous, l'objectif, c'est de mettre en garde les gens contre le polythéisme. Juger des personnes en particulier, ça revient aux juges et aux grands savants. Il faut absolument apprendre ce qu'est le polythéisme pour se mettre en garde soi-même contre ce polythéisme.